Peut-être vous me connaissez en tant qu'harmoniciste, parce que j'en joue aussi et j'en ai apporté avec moi, bien entendu. Mais j'ai switché il y a 3 ans de ça pour... Pas switcher totalement, mais il faut passer du temps avec ces instruments-là pour essayer de les dompter un petit peu. Et donc, après avoir passé un peu de temps, j'ai eu l'impression que je pouvais avoir la prétention d'aller en studio et enregistrer un disque tout seul. Et donc, je l'ai apporté avec moi. On a une version vinyle, on a une version CD. Et il y a même gratuit sur Spotify, si vous voulez. Je vous dis la vérité. Mais évidemment, gratuit sur Spotify, ça rembourse pas les frais de route, les aléas de la route et du camion, etc. Donc, si jamais vous voulez donner un peu pinch in, si vous voulez donner un peu votre soutien et le montrer en espèces sonantes et trébuchantes, vous pouvez trouver directement ici même un album qui vient du producteur directement, comme un peu les vins et les produits que vous pouvez trouver ici même. Bio, c'est totalement bio. Et donc, l'album s'appelle Burning Light, c'est parce que j'ai écrit une chanson qui s'appelle Burning Light, cette petite flamme qui brûle au fond de Sam Chang, au fond de moi-même, au fond de Julien, de tous les gens qui se succèdent ici avec la flamme du blues, le Burning Light, que les grands vents, même les plus grands vents, n'arrivent pas à éteindre. Don't